Oui, merci, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons de partout où vous pouvez nous suivre. Nous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et c'est le pasteur Lucien Bomengo de l'église Source Abondante. Nous sommes à Kinshasa, dans la commune de Mongafula, précisément dans le quartier Masangambila. Nous voulons parler un peu de la Pâque. Tozolo de la Pâque, Pâque Ezalinini. Et puis Pâques ayez comme manini nakati na bomo na biso bana nzambe puis utilité nango pe ba bénéfice ya Pâques nakati na bomo na biso bana nzambe. Je sais que actuellement biso nyonso tout le monde tozo kozalaka na likanisi moko ya likambo ekomeli mboka na biso to pe monde entier likambo ya coronavirus. Nazo kene kokota na kati ya Biblia pona komona comment les enfants d'Israël oyo bazalaki pe na kati na boumbu na Égypte basalaki ba mibu ebelin 400 ans et bazalaki na kati ya souffrance bazalaki kolele pa nzambe koluka ke nzambe a longola bango na kati ya boumbu wana. Et c'est de là où nous avons tiré notre réflexion ou notre inspiration pour na komema pe biso bana nzambe oyo toki koz occasion ya kolanda matin ya oyo kolongola biso na kobanga kolongola biso na incertitude bana Israël tango komela ki bango pasi na bomo na Egypte ba bana ki pe kolela ba bana ki pe komitungisa jusqu'au point que nzambe azolo bana Moïse alobi Moïse je vis la souffrance de mon peuple Israël qui est en Egypte, je vis sa souffrance et je suis descendu moi-même pour le délivrer. Yango tozo banabana nzambe quand ça ne marche pas, nous n'avons qu'un seul recours. Dieu, la Bible dit que Dieu est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Au lieu que toba na komi tungisa koluka par-ci par-là, moi je pense que en dehors ya makamunyo sotokozwa comme instruction peut-être sanitaire, madame na biso ko sala plus confiance dans nzambe puisque si nous sommes devant likambo moko ya munene oyo bana Israël bazana kati ya boumbu rien ne marchait bazalaki na sia servitude bazalaki na kati ya pasi kolela butu pe moi mais quand ils ont crié à l'Éternel nzambe ayokaki et tant nzambe ayoki atindaki Moïse pour akene ko libérer bango. C'est alors que institution ya Pâques et kokaki ko salema ce qui total na kati na Bible na Exode chapitre 12. Peut-être que nous n'allons pas lire, mais je vais citer le passage en passant. Na kati nabanda kutoki kotanga na Exode chapitre 12. C'est là où on a institué la Pâque. La Pâque n'a pas commencé avec nous actuellement, présentement, mais la Pâque a commencé avec les enfants d'Israël en Égypte seulement, bisous tant que chrétiens, parce que nous sommes Israël spirituel. Nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Selon Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, l'a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Israël aujourd'hui, c'est nous. Nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, na kati ya ba makambo tozo kuta nango, toki kolobe la pandémie o toza nango, toki kolobe la ba souffrance ebelin, ba maladie, ba problème ndenge na ndenge o tokuta nango. Oui, occupé quoi câbler biso loco la ban à Israël, na quatre na Égypte, puisque Égypte symbolise le monde aujourd'hui. Dans le monde, nous avons des souffrances, nous avons des moments très critiques, des moments où yo osomitalobi est-ce que vraiment Dieu me connaît encore? Osomitalobi est-ce que je vais m'en sortir? Nous sommes au coma passé. C'est pareil avec les enfants d'Israël na Égypte. Et l'Égypte c'est le monde aujourd'hui. Na quatre monde, nous avons aujourd'hui le coronavirus qui est en train de débattre son record. Nous avons battu et kuna liwa kuna maladie kuna ainsi de suite mais na kati ba problème a boye nous devons ko zongisa miso na biso epai na nzambe. Si là-bas on a immolé l'agneau, si là-bas il y a des victimes de première née, aujourd'hui c'est Jésus qui est notre sacrifice. La Bible dit qu'il est le premier né, c'est lui le premier né, c'est lui le fils aîné qui devait être immolé pour les Égyptiens, plutôt pour les Israélites, dans l'Égypte. Ils ont immolé l'agneau, mais Jésus, dans notre époque,
dans notre dispensation, Jésus s'est donné lui-même comme l'agneau, comme cet agneau qui ôte le péché du monde. Cet agneau qui nous épargne de la mort. Alors, dans le moment où il y a passé, dans le moment où il y a trouble, nous devons que jeter nos regards à la croix de Jésus. Même ceux qui sont plus loin dans le désert, quand le peuple d'Israël, en Égypte, ils ont rencontré des problèmes. Entre autres, ils sont qui sont là. Mais quand ils sont là, élève le serpent des reins. Aujourd'hui, où ils sont là, aujourd'hui, le coronavirus est sur Abisson. Aujourd'hui, où ma macamouzo simbate. Santé za médiocre. Ma problème ndenge na ndenge. Ma famille instable. Mbokezo ningana. Nous ne devons que jeter notre regard na croix à Jésus-Christ. C'est lui le serpent de rein. C'est lui qui a été immolé à notre place pour nous donner la vie, pour nous donner la paix, pour nous donner même la délivrance. Nous allons nous souvenir tant que Jésus a célébré Pâques, puisque j'avais parlé de la Pâques. Quand Jésus a institué la nouvelle Pâque, ou Ezali, la nouvelle alliance, cette coupe est mon sang qui sera versé pour vous, le sang de la nouvelle alliance. C'est-à-dire, nous avions des alliances anciennes, il y a ma famille, il y a ma tribu, il y a ndenge na ndenge, mais en Christ, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, il n'y a plus de condamnation, puisque Christ a porté notre condamnation. Christ a porté nos souffrances. Il n'y a plus de condamnation pour nous qui croyons en Jésus-Christ. Moi, j'aimerais que Bissot soit dans l'ensemble, tout le monde regarde dans Bissot et pas dans l'ensemble. Je sais, il y a des moments où on va dire, au Tali, au Souki. Mais je crois que Bissot, tout le monde est dans Bissot. Bissot n'est toujours Souka, mais Nzamba Soukite. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Bissot n'est toujours les lames et pas dans l'ensemble. Solution est allée. Nzamba Zawana d'ailleurs. Ce qui est en 4 dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Azolba, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Moi, je pense que l'exhortation d'Angèze Ali, réconfort au Nazo Pessa, dans le Tunion sur Azola Nabisson. Et si quelqu'un est au Banakomi Tungisa, au sala même crise d'attention, au sala même crise, un aïebite peut-être à estomac, ma lame Nabisson, total est là. Jésus-Christ, au Yazali, l'agneau. Qui a été immolé à notre place. Dans Ésaïe chapitre 53, la Bible dit que les châtiments qui nous donnent la paix aujourd'hui étaient tombés sur Jésus. Donc Christ a porté nos maladies, Christ a porté nos souffrances. D'ailleurs, à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tout est accompli. Il a accompli tout ce qui concerne la santé. Il a accompli tout ce qui concerne la vie éternelle. Il a accompli tout ce qui concerne même nos projets, même mes besoins au Tozanango le plus caché, même ma pensée au Tozanango au Nanto Kanisiatate. Dieu connaît cela. Alors, Bissoba Nanzambe, moi je pense que comme Itango Oyo, Moutounioso Azongi Samisonaye et pas Nanzambe. Quelque part, on va nous dire que ce sont les signes des temps de la fin. Oui, j'accepte, c'est ça. C'est parmi les signes des temps de la fin. Mais ce qui va vivre les signes des temps de la fin, ce n'est pas encore le temps de la fin. Nakata, si nous attendons la fin, est-ce que nous devons croiser les bras? Non. Nous devons nous lever dans la prière. Nous devons élever Jésus dans nos vies. Nous devons élever Jésus dans nos familles. Nous devons élever Jésus même dans notre nation. Nous devons élever Jésus dans le monde entier. Et je pense que cette pandémie est venue nous réveiller. Ezalana Mindele, Ezalana Batumwindo, Ezalana Bissoba Africain, Ezalana Bissoba Congolais, partout ailleurs. Et Bongina Bissoba, Tozonga Batu. Tout le monde qui a son nom, le monde peut nous décevoir, mais Dieu ne nous décevra jamais. Tozonga Bissoba 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 Pananzame. Tout ça, l'ensemble est confiance, tout ça, l'ensemble. Bien aimé, Zola Nanga, n'a bien que quelque part au souki. Tant que soupe pandémie et ses bêtises famines, nous tous, nous sommes tous les amis, nous sommes tous peut-être qu'on perdre espoir. Je pense qu'à la fin de mon exhortation, je vais prier pour toi, pour que Dieu puisse te guérir, pour que Dieu te réconforte encore aux oiseaux et l'Ika. Ce qui n'a causé pas sur la carte de la Bible, nous sommes que dans la Bible. Ce qui est dans Ecclésiaste chapitre 9. Dans verset 4, la Bible dit que pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Pendant que vous avez la vie, tant que vous avez le vivre, le colon a le confité, quoi que Dieu peut te donner la solution, quoi que Dieu peut te donner la délivrance, quoi que Dieu peut te donner la guérison, quoi que le chemin peut s'ouvrir encore, puisque nous avons Jésus comme l'agneau qui a été immolé, aujourd'hui en Christ,
nous pouvons encore espérer. Aujourd'hui, en Christ, nous pouvons encore recevoir la guérison, puisque c'est lui qui apporte nos maladies, nos souffrances. Je pense que Bissika Tozolana, ensemble, appelle Sabiso sous ma casse. Nous avons appelé Sabiso ma casse. Outre, Makambaye, Bissibiso, peut-être, il y a Kosukola Maboko, la maladie, par exemple, et Kopesa Nabambo, Tete, ainsi de suite, Koyambanate, c'est très bien. Ça, c'est trop sanitaire. Ça, c'est plus que physique. C'est plus physique. Mais, oh, il y a Bissot Tozoloba. En plus, il y a physique. En plus, il y a matériel. Dans ce qui est spirituel. J'aimerais encore dire à une personne que le spirituel contrôle le physique. Le spirituel contrôle le matériel. Ce qui spirituellement, nous allons réparer avec Dieu. Ce qui spirituellement, nous allons mettre Jésus à sa place. Pour nous côté la confiance, pour nous côté la je pense que Dieu peut donner la solution na oyezali physique. La maladie est physique. Le problème n'est pas le physique, mais Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. La maladie, c'est un nom. La pauvreté, c'est un nom. La souffrance, c'est un nom. Mais le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous ces noms. Otoki Kotanga, Nase, Na Moi, Awa. Alors, bien nommé dans le Seigneur, pour ne pas qu'on soit au Batang, Bele, na Kosongi Sabi Sokaka, na Kat, na Biblia. Bana Israël, tant que Bazala qui n'a pas si. Ils ont invoqué le Seigneur. Ils ont invoqué Dieu. Et tant qu'on va invoquer Kinzame, Nzambe a tindaki Moïse et po aye bisabango, qu'est-ce qu'il devait faire? Parmi ma kambaka ko sala, c'était immoler l'agneau. Puis bazo makila batana lenton. Mais na yebisi biso ke l'agneau qui a été immolé pour nous, c'est Jésus-Christ. Il a versé aussi son sang à la croix. Et le sang là crie jusqu'aujourd'hui. Le sang de Jésus crie plus que le sang de l'agneau qu'on a immolé en Égypte. Le sang de Jésus crie mieux que ce sang-là. Alors aujourd'hui, par le sang de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Par la mort de Jésus, nous avons la victoire, même sur cette pandémie. Nous avons la victoire, même sur nos problèmes, même sur nos difficultés. Makambo est allé nation, Makambo est allé monde entier. En Christ Jésus, nous avons la solution. Je pense que Ebola Nakibiso et Nahebi Ekte Salbiso Malamu. Édifier biso obanaki déjà commis ton obi Seigneur ce qui maladie le loi côté na famille na nga ou soit ndenge na zobela déjà boy ou soit problème sousou ezaka maladie tes problème sousou za nango ya mariage ya voyage ainsi de suite malgré que aujourd'hui tout le monde se préoccupe d'abord na santé na ye donc la tiba masque to skol maboko to zobanga ke to kufate mais en Christ nous avons l'espérance to kufate jusqu'à ce que nous allons témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. C'est ce que David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'aimerais qu'avec une personne qui me suit, tout le monde ensemble, que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. La Bible dit dans Psaume, beaucoup excusez moi la paix moi verset ébélé, dans Psaume chapitre 91 verset 7, la Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 2000 tombent à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Ne te réveille pas avec soussouana que le lieu kozoanga, l'obinga pena rokoufa, ce qui n'a koufi, bananga barozane. Non, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, mais zala na foi qu'en Christ, tu ne seras jamais atteint. Ça, c'est une parole de foi. C'est une parole qui réconforte. C'est une parole oyo, oyo nzambazo pesa na bananaye, pour que to banga loko la batunyo sauté. To zala agiter loko la batunyo sauté. Mais tout ça, Elika Nabiso et Pananzame. Si Christ avait accepté de mourir à la croix, ce n'était pas pour lui-même, mais c'était pour le monde entier. C'était pour moi, c'était pour vous qui me suivez. Et Zalaki Ponabiso. Alors, bien nommé dans le Seigneur, j'aimerais prier avec Batunyoso, Oyobalandi Biso, et Oyonyoso Bakikozala, Naba difficulté, Songolo Pakala. Des projets ne marchaient pas. Ma Kamyoso est bloqué. Maladie Angwana, pandémie Angwana. Les gens ne savent pas comment. Ils peuvent s'en sortir dans ma kamouaboui. Non, en Christ, nous avons l'espoir. En Christ, nous avons l'assurance. La Bible dit, approchez-vous du trône de grâce avec assurance afin d'être secouris dans vos besoins. Ce qui peut manquer à beaucoup de gens, c'est la foi. Mais moi, j'ai la foi. Vous avez la foi. Nous allons invoquer le Seigneur dans la prière et je sais que Jésus va faire quelque chose. Éternel Dieu de grâce, Jésus, je m'en vais prier pour ma sœur, pour mon frère qui m'a suivi. Seigneur, tu connais le désir de son cœur. Tu connais ses agitations.
Je prie, Seigneur, que tu puisses étendre ta main de grâce sur sa vie. Redonne la victoire, redonne la paix, redonne la guérison. Que tout ce qui n'est pas de toi soit loin de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Je déclare la réussite, je déclare le succès, je déclare la délivrance dans la vie de tout celui qui m'a suivi. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse aussi notre nation. Que Dieu bénisse le monde entier, que Dieu bénisse tout celui qui nous a suivis. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous joindre à ce numéro, plus 243 99 76 64 006. Plus 243 99 97 99 76 plutôt 20 06 ou soit plus 243 81 68 86 179. Je vais recommencer. Plus 243 81 68 86 179. C'était le pasteur Lucien Bomengo de l'église Source Abondante. Nous sommes à Kinshasa. Avec ce numéro, vous pouvez nous joindre. Que Dieu vous bénisse.